matin, c'est l'heure de l'Eastside. C'est maintenant 6h30, on va lever 5h, histoire de pouvoir le terminer avant d'aller bosser, parce qu'on a les duplex à partir de 9h ce matin. Donc, on n'aurait pas le temps de traîner jusqu'à 10h pour le finir. Le quatrième jour que je me lève à 6h du matin, donc c'est un petit peu violent. Mais bon, il faut ce qu'il faut, d'autant qu'aujourd'hui, ben, c'est l'ouverture de l'E3, à proprement parler, c'est l'ouverture du salon. Donc ben, ça veut dire beaucoup de choses à voir, beaucoup de boulot en perspective. Je vais interviewer Michel Ancel. Ah, très bon ça. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Je sais même pas. À l'heure où sera postée cette vidéo, je pense que oui. Aujourd'hui, c'est l'ouverture publique. Donc j'y vais pas tout de suite, j'ai plein de choses à faire dans l'après, mais là ce matin j'ai aussi beaucoup de boulot, j'ai notamment une interview de monsieur Phil Spencer. Pleine préparation express du duplex. Une des choses qu'on peut se dire, c'est qu'il y a du monde. Public cette année, vous pouvez le voir, ça fait la queue, on est à quelques minutes de l'ouverture. Donc moi, regardez, la technique, ça va être de passer là, avec le mec du staff qui est pas trop regardant. Je pense que j'ai moyen de le gruger. C'est juste ici et le B est juste derrière. Vous voyez comme c'est marqué Konami partout. Je pense, si je suis pas trop con, ne pas m'être planté. Les portes vont certainement s'ouvrir pile à midi et on va aller se check pour aller voir. Bah, j'ai une heure normalement sur le jeu et puis je vous dirai juste pas. Que je peux filmer à l'intérieur, j'essaierai de filmer. Et on entre, alors qu'on monte les escaliers, j'essaie de vous montrer un peu ça, bon c'est pas évident à filmer. Alors, on va partir sur la droite, c'est le bordel. Oh putain, j'avais jamais vu un O3 avec autant de bordel, mon dieu. Désolé pour les vulgarités, mais là, on va pas se marrer. Alors on va employer les techniques habituelles, on va le plus possible au fond pour éviter les fils et après on se démerde. Bon, y'a, pourquoi on n'est pas à l'intérieur du Convention Center en train de filmer l'ouverture des portes? Ah bah parce qu'il n'y a personne qui répond à Paris. Ouais. Ça nous était arrivé il y a 2 ans. Et ça nous est arrivé aussi l'année dernière. C'est tous les ans pareil en fait. On s'était dit que cette année ça passerait. Mais le fait est que c'est pas possible. Hein, voilà. Donc on va attendre. Un peu aigri. Un petit peu. Parce qu'on était tout prêt, tout bien. Il y avait plein de gens, ça aurait été sympa. Et on peut malheureusement pas le montrer. Non. Je suis sûr qu'on se rattrapera cet après-midi. Ah, si oui. Jamais ils répondent à un moment. Et alors en gros aujourd'hui, moi je vais avoir du Sony, je vais avoir du Ubisoft. Je vais commencer par aller voir les jeux Ubisoft, donc présents sur le salon. Alors il y a notamment Skull and Bones qui apparemment serait possible de toucher. Far Cry 5, je m'en suis déjà chargé, j'ai plus besoin de le faire. Et peut-être le petit Mario aussi qui peut être sympa. Bon bref, je vais essayer de toucher un peu à tout ça et de vous faire un compte rendu. Vous voyez, le booth c'est assez grand, il y a déjà de l'ambiance. Là, le salon est ouvert, apparemment c'est déjà noir de monde, donc là je suis en train d'y marcher. On va bien voir ce que ça va donner. La complication, c'est que moi j'ai pas récupéré mon accred, j'étais supposé y aller hier. C'est des petits cadeaux qu'on a eus et tout le monde est heureux. Voilà. Tout le monde est heureux d'avoir eu ces petits cadeaux. Alors je ne sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir devant vous. Voilà. My collection gets out of control. Oh mais dis donc. Regardez. Regardez. Ah ça c'est pas mal. Ah j'avoue. Avec un casque et tout. Ils déconnent pas, Sony. Depuis quand ils ont des moyens, Konami? Non, je vais pas la garder, je vais la foutre au boulot et elle sera au boulot. Donc je précise quand même. Alors, je sais pas ce que vous en poussez, vous, mais moi je trouve que cette année, les jeux Ubisoft, ils sont un peu frais. Alors durant la session, donc. Alors durant la démo qu'on a pu essayer, donc. Non, pas.
Alors si je cite Assassin's Creed Black Flag, c'est pas innocent puisqu'on retrouve vraiment le gameplay du jeu. Je suis au Convention Centers, c'est la merde. Il y a des gens partout, apparemment les journalistes n'arrivent pas à savoir par où il faut rentrer. S'ils sont obligés de faire la queue avec tous les visiteurs classiques. Pour tous ceux qui se demandent à quoi ressemble une présentation, bah, très souvent ça ressemble à ça. Donc vous voyez, je suis dans une petite pièce. Il y a des places pour s'asseoir pour à peu près allez, 15 personnes à tout casser. Et sur cet écran, ils vont nous montrer les nouveautés. J'ai la petite accrède. C'est bon, je suis prêt à aller au combat. Un certain Ezio qui se balade. Le cosplay est extrêmement classe et bien foutu. Voilà, vous voulez savoir à quel point l'E3 ouvert au public, c'est la merde. Et ben voilà pourquoi, voilà comment. C'est pire que la Paris Games Week hein, en termes d'affluence, en termes d'espace. Alors nous aussi à la maison, on devait faire des duplex et malheureusement, Monsieur Renseigné et la JVTV avaient oublié les duplex. Donc voilà, salut la JVTV. Du coup j'en profite pour avancer sur les détails parce que comme je le disais, c'est beaucoup de boulot. Je mène à zéro. 13h12, j'ai rendez-vous dans 3 minutes au South Hall pour jouer à Call of Duty World War 2. Je suis un peu à la bourre, on a eu des galères pour le duplex, on a eu des galères pour l'inside, donc voilà, donc je suis mis un peu en retard. Donc ben, PES, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, cette année, ça part très bien. En fait, à l'extérieur, vous avez toutes les bornes, etc. pour les joueurs, le public en fait. Et il y a une partie interne avec voilà, un petit escalier là sur le côté où on peut monter et on arrive à l'intérieur du stand Activision qui est réservé cette fois-ci pour la partie business et pour la presse. C'est là du coup que je vais pouvoir jouer à Destiny 2. Voilà pourquoi j'avais peur que le salon s'ouvre au public. Regardez, ça piétine, c'est juste, c'est débile. J'ai mis plus de 10 minutes à arriver jusqu'à mon rendez-vous, je suis à la bourre. Et là, j'essaie de retrouver mon RP, donc voilà, c'est la merde. Merci l'ouverture au public. Je suis à ma session Call of Duty World War 2 et on est dans la pièce pour assister à la présentation. Donc voilà, la présentation va commencer, on va avoir un nouveau niveau et après on pourra faire du hands-on et j'ai pris de quoi noter. En fait, j'ai demandé au RP Activision, c'est en fait la foule publique qui attend pour jouer à Destiny. Alors, il y a déjà 4 heures de queue et bah, ils ont juste coupé en fait et ils ne prennent plus personne parce qu'il y a 4 heures et que ça entoure déjà tout le stand Activision. Donc, c'est un peu le bazar. Ah, mais c'est le pion-pion! Comment ça va? Salut, j'ai encore cassé des trucs! Qu'est-ce que t'as fait? Non! Je lance la build là de Destiny, je joue machin, j'arrive à un passage, je passe une porte, je meurs. Ça m'a fait respawn de l'autre côté de la porte, mais la porte était fermée. Oh merde. Le péteur de milk. Non mais le chat noir ultime. Alors je suis revenu du salon pour faire un petit peu de montage, mais vous allez voir que Logan a un petit peu galéré pour son reportage. Du coup, j'ai dû faire un montage qui s'adapte en fait à ces galères à regarder. Alors durant la session, donc, ce que vous aurez, donc, ce qu'on a pu voir... putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je reprends où du coup? Bientôt 16h, on va aller avec Panta interviewer quelqu'un qui nous est cher. Vu qu'on parle de tactique, donc ça c'est cool. La petite bouboule pour gagner de la vie, hein, comme dans PLVG, et on y va. Peu de monde dans la partie restaurant, nous on est plus tranquille parce qu'on a été malin, on a utilisé la technique du mec expérimenté à l'E3 en fait, on va passer par l'étage. Donc voilà, je cherche et surtout je perds mon temps dans la foule. C'est génial. On voit pas, mais il y a beaucoup de bornes pour Splatoon 2. Là-bas, il y a du arm. Tout là-bas, on va y aller doucement.
Et du Mario Rabbids, je pense qu'on a déjà prévu un truc dessus à mon avis. Et voici en Behind Closer Sony. C'est un peu, voilà, c'est bleu. C'est dans le bleu, on est dans le bleu. Du coup, on sort d'une Behind Closer de Détroit qui était, on ne peut pas dire. C'était cool. Voilà, on peut dire. C'était génial. Voilà, mais on a rencontré quelqu'un de particulier, donc on a un petit rush de fantôme. Hello showvideo.com. Connor, in Detroit Connor. Become human. Yeah, Detroit. Ouais. Et on va enchaîner avec une petite interview de notre ami David. Donc ça c'est plutôt cool. A tout à l'heure. Cool, une mise à jour, c'est le bon moment. En plein 2-3. La journée commence à se terminer ici. Il est bientôt 18h, c'est l'heure à laquelle officiellement l'E3 se termine. Moi en tout cas se ferme aux visiteurs. La journée se termine, les amis. On vient de sortir de Metal Gear Survive et PES parce qu'on a fait des reportages avec notre cher Jack ici présent. Hey ! Et là donc du coup bah, on va rentrer chez nous. Ce qui est la chance qu'on a cette année, c'est que c'est juste à côté à pied. On est vraiment à 3 minutes à peine. Du coup on rentre à l'hôtel, le programme moi c'est Inside et interview et pour enfin ça. Call of Duty World War 2 aperçu. À quoi j'ai joué là? D3 ou c'est plus non, mais vous le verrez sur le site. D3 preview, interview, tout ça. Allez, à tout. Alors le 3 c'est pas seulement que le Convention Center, regardez on est en face du Staple et il y a une vraie arène e-sport avec du street. Est-ce que c'était une bonne idée de rendre le 3 public? Non. Très mauvaise non. idée. Non. 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 Après on parle pour nous parce qu'on est des enfoirés, oui, de voilà, des enfoirés privilégiés. Grosso modo, lorsque moi je suis arrivé à 13h, le RP français oui. m'a dit ça sert plus à rien de faire la queue là c'est parce que c'est plus jusqu'à 18h. Ah, c'est sous votre tête.